Boum! Et salut à toutes et à tous, c'est Saku! On se retrouve pour ce nouvel épisode de nos aventures sur Majora's Mask 3D. Alors, passons dans les masques. Je vais avoir besoin de masques, je suppose. Peut-être toi. Peut-être mon petit masque du Lapinos. Toi, je t'enlève. Toc. Toc. Et toc. Allez, faisons comme ça. On est parti pour cette exploration. Oui, je re-sauvegarde. Ça sert strictement à rien, mais j'aime bien faire les trucs qui servent à rien. Et perdre du temps, hein. C'est toujours amusant. J'ai mon nouveau bouclier, c'est parfait. Cette musique. Je ne peux pas le voir. Du sang. Tu l'as déjà dit tout à l'heure. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Oh, tu vas me saouler, je sais. Ah mais pardon, j'ai pas pris le bon masque. C'est pas l'homme de capitaine que je voulais. C'est toi. Je parle pas trop, hein. Je laisse apprécier, bien évidemment. Je vais essayer de le prendre. Voilà. On sait jamais. C'est sympa après cette musique. What the fuck? Tu veux te battre? Yes. Voilà, tu es décédé. Il existe un autre passage secret qui permet d'entrer dans le château d'Ikana. Ça doit être par ici, notre passage secret. Oh my god. Oh my god. Ok. Très bien. Nice. Pas le temps de me protéger. Oh non, j'ai oublié ça. Oh, ce bruit, les potes. Waouh, 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 waouh. Wow.
Elle m'attaque pas, hein. Je pensais qu'elle m'attaquerait. Mais genre, en fait, pas du tout. Ok. Ça va descendre les marches, je suppose. Monter ça, très bien. Ah putain, je sens mal. Ok, je sais pas à quoi tu as servi. Je parle pas trop, mais je réfléchis à ce qu'il faut faire. Alors là, par contre, si vous avez une idée de comment faire pour revenir, je suis de type preneur. Je suppose. Va très bien. J'espère que je vais pas m'isoler là-bas. J'espère qu'on peut toujours passer. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Espèce de jeu, là. Mais du coup, ah, je peux pas aller là-bas. Waouh, aïe aïe. Comment faire du coup? C'est à partir de là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ok, bon. Bah du coup on y est.
Oh là là. Ah, j'ai pas. Je précise, hein, je suis pas dans un donjon. À nous deux. Très bien, alors je ne sais absolument pas comment je l'ai eu. Alors qu'est-ce que tu vas me raconter? Il faut contrer l'ire du roi d'Icanen. Pardon, pour contrer, il faut brûler ce qui bloque la lumière. D'accord. Ok. Je déteste ce truc. Tiens à le dire. Oh punaise. J'ai tellement de trucs à faire. Ah, très bien. Bon, les gars, j'avoue, je suis un peu bloqué là. Ah, je pense que je peux aller à celle là-bas. Nice. Nice, nice, nice. Faudrait que j'arrive à aller là-bas. Je pense que c'est mort pour aller plus loin. Ok, c'est pour aller vers un quart de cœur. On va tester un truc, hein. On n'a rien à perdre. Putain. Ah, ça marche. Alors, est-ce que ça va passer? Ça passe, tranquille. Bon, bah là, on n'a plus le choix. Aïe. Meurs.
Ah, je suis content d'avoir Iskar de cœur, tiens. C'est pas si difficile au final, vous me direz. Maya se content. Ok, j'ai compris pourquoi elle parle, notre amie Taya. Je fais juste défoncer. Voilà, enfin. Le plafond d'une certaine pièce ouvert depuis le toit. Seule une terrible explosion pourra le fracasser. D'accord. Ah, ça c'est plus que très nice. Voilà. Bah, génial. Il doit y avoir du zombie par ici. Non. Non. Regardez. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Pour le coup. Je ne dirai strictement rien. C'est déjà vu quelque part. Juste faire un truc à mon ami, ça je vais le mettre ici, voilà. Toi je vais le mettre ici, et mon Glapinos je le mets ici. J'ai l'impression que je peux pas le viser avec... avec la visée R sans qu'il disparaisse. Non, pas être rien du tout. Allez, on l'a bien pour l'instant. Voilà. Décède. Oh, je suis déçu, je pensais qu'on allait débloquer un truc. Je ne sais pas le pourquoi du comment, hein. Je ne le comprends pas. Très bien. Je n'expliquerai pas ce qui se passe. Je ne dirai strictement rien. Hein. Vous l'avez vu comme moi. Ça sert à rien que je donne d'explication. Ok, on y est. Bon. Bon. Oui, j'en ai acheté un. Car avant de commencer, j'ai quand même lu les objets dont on avait besoin. Et je sais qu'on a besoin de ceci. Et je pense qu'on en a besoin maintenant. Toc, on va reprendre notre inventaire. Ça.
J'espère qu'ils vont pas m'attaquer. On a tué nos amis danseurs. Ça sent pas bon cette salle. Ça sent pas bon. Oh, jeune impudent, toi qui as apporté cette ignominieuse lumière dans ce royaume de désolation. Je déteste quand tu fais sale jeu, mes serviteurs sont tombés devant la lumière qui semble guider tes pas. Ha, je t'ai eu. Oh, je déteste. Toutefois. Les ténèbres dans lesquelles vivent les serviteurs sont éphémères. Ouvre grand tes yeux. Oh putain. Je vais te montrer ce que sont les véritables ténèbres. Ok, monsieur le roi. Je me souviens de ce qu'il faut faire, j'ai lu. On a lu ce qu'il faut faire tout à l'heure, on va récupérer ce dont on a besoin. J'ai compris, ok. C'est moi le malin là. Très bien. Utilise les méthodes classiques de viser pendant que tu te défends. Il est plus puissant que ces deux. La queue. Alors. Alors. Alors, ça fait mal. Alors. Ah, il est très bien. What the fuck? Tu me gênes tout soit de là, je vais l'avoir. Moi je te gêne. Il nous a battus, c'est uniquement à cause de ton incompétence, Groland, ne m'accuse pas. Quoi? Répète un peu, pour voir, tête d'os. C'est marrant. Hein. Pff, minable, Groland, ouais, tais-toi. Mais tu vas la fermer. Regarde pas comme ça, j'étais le meilleur soldat de toute l'armée d'Ikana. Toi le meilleur soldat, ouais, on se dispute quoi. Dégaine ton épée, guignol. Comment vous dire? T'es devenu sûr avec l'âge, dégainer ton épée. Comment ça?
Bande de crétins aussi. N'avez-vous donc rien compris? Le royaume a été détruit. Nous ne sommes plus que des ombres. C'est à cause de petites querelles comme celle-ci que nous en sommes arrivés là. Elle est décédée. Faire confiance à vos frères et pardonner les erreurs sont des notions que vos cœurs corrompus ont oubliées. Et puis, quelqu'un a ouvert les portes de la forteresse de pierre. Écoute-moi. Je suis le roi d'Ikana, roi sur le trône du royaume d'Ikana. Le maléfice qui a été placé sur nous a été brisé quand tu es arrivé avec cette lumière sacrée qui semble t'envelopper. Si tu veux ramener l'ordre dans ce royaume, tu vas devoir sceller les portes de la forteresse de pierre. Mais cette forteresse est réputée inexpugnable. Même un millier de mes soldats ne suffirait pas à me prendre de force. Voici une quête qui vient trop ardue pour un simple aventurier, tout courageux qu'il puisse être. C'est pourquoi je vais te donner un soldat de combat qui n'a pas de cœur, un allié qui ne sera jamais corrompu par les vents ténébreux. Oh punaise. Alors la musique? Ce soldat sans cœur qui est ton exacte réplique, une coquille à ton image qui apparaîtra quand tu joueras cette mélodie. Que sur mon royaume endormi brille la sainte lumière de la justice. Ok, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas et je ne t'aime pas. Bon. Sortons de cet endroit. Ceux qui ont lu les fameuses creepypastas sur Zelda savent que ce truc peut faire peur. Hein. Moi, il me fait peur en tout cas. Et en plus, c'est la nuit. Même pas de petit cœur. Bah voilà, pile ce qu'il faut. Pardon, pardon. Pas fait exprès, les gars. Bon. Bon. Lui, je peux pas l'avoir. Je vais sauvegarder. Hop là. Et puis, on va s'arrêter là, vu qu'on a obtenu le champ qu'il nous fallait. Je vais vous remercier d'avoir suivi cette... Toi, tu vas pas m'embêter pour mon outro. Voilà, même si ça fait perdre un cœur, c'est pas grave. Je disais donc que je vais vous remercier pour avoir suivi cet épisode et je vous dis donc à très très vite pour le prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.